Bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout bienvenue ici sur le plateau de Démocratie, le réenchantement numérique. Vous verrez, il y a un grand point d'interrogation justement à la fin de cette proposition et on va en parler dans quelques minutes ici évidemment à l'Université Paris Diderot. On a 45 minutes ensemble pour s'interroger sur l'avenir des civic tech, pour envisager les évolutions à suivre pour propulser notre démocratie à l'ère du numérique et surtout décrypter les usages, les outils de cette citoyenneté de demain. Pour en parler, ils nous ont rejoints ici en plateau. Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Julie Pimedan, cofondatrice de Fluicity. Clément Mabi, maître de conférence à l'Université de technologie de Compiègne. Vous êtes également l'auteur du livre blanc pour le think tank Renaissance numérique, Démocratie mise à jour. Henri Isaac, justement, tiens, le président du think tank Renaissance numérique est avec nous. Et puis Gilles Finkenstein, directeur de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Et puis, vous le savez, cette émission, c'est avant tout la vôtre. Vous pouvez rejoindre la conversation tout au long du débat, tout au long de ces 45 minutes. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Démocratie, un nom prédestiné. Alors, si vous le permettez, on va démarrer avec un chiffre qui, moi, m'a quand même beaucoup étonnée. Pour 57% des Français aujourd'hui, la démocratie fonctionne mal. C'est un sondage qui vient de paraître au tout début du mois de novembre dans le journal Le Monde. Et 77% d'entre eux choisiraient un gouvernement participatif comme alternative à un gouvernement représentatif. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que la démocratie représentative est morte? Vive la démocratie, Axel Lemaire? Alors moi, je ne suis pas étonnée par le premier chiffre, c'est-à-dire que le malaise démocratique, le fait que nos concitoyens ont un niveau de défiance plus élevé que jamais dans les institutions dites représentatives, le système politique et celles et ceux qui font partie de la classe politique, ça ne m'étonne pas. Je lis ça directement au fait que, par exemple, aux élections régionales, 76% des jeunes, des moins de 25 ans, ne sont pas allés voter. Donc cette défiance, elle se traduit directement par une forte abstention. Le second chiffre m'étonne plus. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a comme définition derrière démocratie représentative et démocratie participative. Est-ce que participative, ça veut dire direct? Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire que on ne décide par des textes uniquement si il y a eu un processus référendaire? Et donc, se dire que toutes les décisions politiques doivent être prises par référendum, ça me paraît compliqué en pratique et je ne suis pas certaine que ça soit souhaitable. Gilles, justement, il y a un vrai paradoxe entre cette défiance de la démocratie et cette soif de démocratie. Comment est-ce qu'on applique ça aujourd'hui? Moi, je crois de manière simple, c'est exactement la définition que donnait Gramsci d'une crise. C'est-à-dire que le vieux est mort, ou en tout cas est contesté, est fatigué. C'est-à-dire la forme traditionnelle de la démocratie, l'image que les citoyens ont de la politique, ce niveau de défiance qu'évoquait Axel Lemaire, le temps de la démocratie qui paraît pour beaucoup de citoyens un temps beaucoup trop lent. Donc d'un côté, ça, c'est contesté, c'est fatigué. Et puis d'un autre côté, il y a le neuf qui naît, qui essaye de naître de nouvelles pratiques, notamment au niveau local, des citoyens qui sont plus éduqués, plus connectés, de nouveaux outils. Et donc il y a ces deux mouvements en même temps. Mais la citation complète de Gramsci, c'est le vieux est mort, le neuf n'arrive pas à naître, et dans ce clair-obscur peuvent naître les monstres. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire l'idée même de la démocratie est aujourd'hui beaucoup plus contestée qu'elle ne l'était. Vous avez plus d'un tiers des Français qui disent un autre système que la démocratie pourrait s'y substituer. Et donc il y a ça, et puis, dernier point, il y a aussi des éléments d'optimisme parce qu'il y a un attachement qui est très fort, parce qu'il y a une inquiétude vis-à-vis de la démocratie qui est susceptible, là aussi, de mobiliser. Et je crois que l'enjeu par rapport à votre question de départ, ce n'est pas de substituer la démocratie participative à la démocratie représentative, c'est de les connecter. C'est d'équilibrer l'une avec l'autre et d'inventer, c'est ça qui est exaltant, un nouvel âge de la démocratie. Et justement, on va essayer d'interroger ce nouvel âge de la démocratie. D'abord, Clément, on va revenir sur ce clair-obscur, justement, cet entre-deux. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on envisage justement des propositions différentes à un moment donné où, encore une fois, ce modèle démocratique, le moins mauvais des régimes selon certains, est remis en cause? Alors en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, le modèle représentatif a réussi le tour de force d'incarner à lui tout seul l'idéal démocratique pendant longtemps. Et on a fini par intégrer le fait que la démocratie,
se limitait à un idéal représentatif. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que progressivement, les formes participatives, ce que j'appelle un peu les bouillonnements citoyens, qui sont dans la société, en ce moment, donnent de la voix, gagnent en visibilité. Et la montée en puissance du numérique n'est pas pour rien dans cette nouvelle visibilité. C'est-à-dire que ça rend possible cette expression en dehors des institutions, et en même temps, ça rend compte de la volonté des citoyens de s'exprimer en dehors des institutions. Donc je crois que c'est ce double mouvement qui vient challenger le fonctionnement représentatif et en même temps qui offre des opportunités aux citoyens pour se réapproprier le fonctionnement de la démocratie. Alors on va là aussi se poser des questions sur ces ébullitions justement démocratiques avec vous Henri et puis surtout Julie. Pour vous aujourd'hui, la démocratie, elle est dans quel état, Henri d'abord ? Effectivement, je pense qu'elle est un moment intéressant dans le sens où elle s'est construite sur des représentations collectives et des institutions qui sont censées représenter les citoyens et que ce que le numérique, en connectant les citoyens, les met en capacité. Et c'est la première fois que la société civile en fait, a des outils nouveaux pour s'organiser et organiser la démocratie peut-être autrement. Et donc on est à un moment assez intéressant où on a un passage du collectif à du collaboratif. Ce collaboratif, il prend différentes formes. Ça peut être dans le débat. On peut construire le débat démocratique autrement. Ça, je pense que c'est une première piste. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'on a des débats et des questionnements, notamment sur les discours haineux qui se déversent un peu partout sur l'Internet. On a aussi la question de comment on construit la loi. Et c'est ce que Axel Le Maire a essayé de faire dans une première tentative assez intéressante pour construire les règles de vie ensemble. Et puis, je crois qu'il y a une dernière partie sur laquelle des mouvements ont déjà débuté, c'est sur l'évaluation des politiques publiques, notamment par l'ouverture de données, et mettre en capacité les citoyens aussi d'analyser et de proposer à partir de données. Et donc, je pense qu'il y a trois étages dans la participation. Il y a participer au débat. Aujourd'hui, c'est donner à tout le monde, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut l'organiser, il faut trouver des règles, il faut trouver une éthique du débat. Ensuite, il y a participer à la construction des règles, et ça, je pense que c'est vraiment là où les deux modalités représentatives et participatives doivent être combinées. Et puis, il y a la question d'évaluation des politiques publiques. Là, il y a beaucoup de choses à faire encore, je crois, pour que les citoyens aient la capacité de le faire. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui en direct dans une semaine qui est un peu particulière, qui célèbre justement les Civic Tech, notamment en France et à Paris, puisque Paris est l'hôte, si j'ose dire, de l'OGP 2016, l'Open Government Partnership. Axel, très rapidement, peut-être une idée de ce que représente aujourd'hui ce grand mouvement des États qui ouvrent justement leurs données, alors peut-être avec certaines limites, mais qui en tout cas essaient de participer à cette nouvelle construction des administrations. Alors, au sein du partenariat pour un gouvernement ouvert, il y a aujourd'hui plus de 70 États représentés, mais il y a aussi, je dirais même surtout, la société civile. Et donc, toutes les organisations qui s'appuient sur des collectifs citoyens pour leur donner des pouvoirs d'agir et donc influencer sur le cours des choses et des décisions qui sont prises par les gouvernements sont réunis aussi au sein de cette organisation. Donc la France a la présidence du PGO cette année et se tient en ce moment le sommet mondial du PGO. Les Civic Tech, donc ces projets, souvent des entreprises ou des associations qui utilisent les outils numériques au service d'un renouvellement du dialogue démocratique, sont un phénomène en émergence. On sent bien qu'on est qu'au tout début de l'histoire. Et donc ce sommet, il a notamment pour objectif de mettre en lien les meilleures expériences, les pratiques les plus intéressantes, que ce soit au niveau local, au niveau des villes, Madrid par exemple, au niveau des pays, avec la coécriture de la constitution islandaise, etc. Et de découvrir à quel point les outils peuvent permettre de mettre en lien les citoyens avec tous les niveaux de gouvernance. Et puis il y a le volet ouverture des données publiques, qui a un agenda plus ancien, parce qu'en fait c'est la France qui a demandé d'inscrire les Civic Tech et la Démocratech à l'agenda du PGO. Ce PGO, c'est Barack Obama qui l'avait créé en 2011. Il a fait une vidéo, c'était un peu douloureux de le voir dire bonne chance aux suivants qui vont défendre l'ouverture démocratique dans le monde. Mais c'est ça aussi la démocratie finalement. Et cet agenda d'ouverture des données publiques, on voit bien que c'est là aussi un moyen de garantir la transparence de l'action publique et donc d'essayer d'élever le niveau de confiance de la part de nos concitoyens dans les institutions qui sont
aujourd'hui très décriée. Ouais, parce que c'est vrai que cette notion de confiance est la notion fondamentale finalement qui a toujours émaillé les évolutions démocratiques et qui va aussi être essayée d'être reconstruite par ces civic tech. J'ai envie qu'on pose la question quand même à quelqu'un qui a les mains dans le cambouis des civic tech. C'est vous, Julie. Fluicity, d'abord, c'est une civic tech qui va s'intéresser à un temps un peu particulier du processus démocratique puisque c'est celui de la prise de décision, et vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise, la prise de décision justement au sein d'une municipalité, en tout cas sur l'échelon du local, et essayer de comprendre encore une fois comment ces décisions sont prises. Oui, exactement. En fait, cette start-up a été fondée en partant du même constat, comme quoi on avait à la fois très envie de participer plus souvent à la prise de décision, et à la fois cette espèce d'abstention qui s'élevait de plus en plus, notamment chez les jeunes. Mmh. Donc on a essayé de comprendre ces raisons et on a fait tout un sondage auprès de 500 citoyens de savoir quelle était la principale cause. Et ce qui est revenu à plus de 65%, c'était cette profonde conviction de ne pas avoir d'impact. Mm-hmm. Quelle que soit la parole prise ou l'opinion donnée, mon opinion n'aura aucun impact. Et donc ce qu'on a essayé de faire avec Fluicity, c'est de restituer cet impact le plus directement possible, et on a pensé que l'échelle locale était probablement la plus pertinente, mmh. puisque finalement le maire est une personne à portée de main, les décisions sont prises de manière beaucoup plus pragmatique qu'à l'échelon national ou européen, et du coup on est sur des choses assez concrètes de la vie de tous les jours qui peuvent améliorer le vivre ensemble et qui peuvent recréer ce lien de confiance assez directement. Donc l'idée, c'est de se dire finalement, être citoyen aujourd'hui, ce n'est pas une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 6 ans, mm-hmm. mais ça peut se faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, au travers d'outils numériques beaucoup plus accessibles qu'on aurait pu l'avoir il y a 10 ou 20 ans. Et on va revenir justement à cette question de l'échelon local, mais d'abord on va relever à l'échelon national, puisqu'on a une question qui nous arrive justement sur Twitter et qui demande un retour d'expérience justement sur la co-construction de cette loi pour une République numérique que vous avez portée, Axel Lemaire, et qui justement a engagé là aussi les avis des citoyens pour co-construire une partie de cette loi. Mon bilan, il est double et très schématiquement, je l'estime positif. Parce que ça a vraiment eu un impact, mmh. ça a vraiment influencé le texte même de la loi. Il a été modifié plus de 90 fois. Il y a 5 nouveaux articles qui ont été embarqués dans le projet de loi avant même qu'il ne soit envoyé au Conseil d'État et donc avant qu'il n'arrive au Parlement. Et comme ça, ça peut être un chiffre qui ne parle pas, mais quand on connaît les difficultés que ça a représenté d'arriver à insérer ces modifications dans le texte, je crois que c'est une avancée réelle. Et puis la deuxième partie de mon bilan, c'est justement mmh. celle-là, c'est que ça a quand même été bien, bien galère. Et qu'aujourd'hui, rien dans les institutions de la Ve République n'est fait pour permettre et faciliter ce genre mmh. de procédure aucun moment de la construction de la loi. Et ce qui veut dire que de toute façon, si on veut les généraliser et les systématiser, il faudra faire évoluer le cadre institutionnel. Julie qui acquiesce largement. C'est vrai que nous, on a de la chance sur nos premiers partenaires, nos villes partenaires, on est sur 6 villes, de travailler avec cette nouvelle génération d'élus, mm-hmm. Un peu inspirée par Axel Lemaire, qui comprennent qu'en fait, leur légitimité ne vient pas forcément du fait d'avoir été élu dans le mandat, mais surtout d'arriver à instaurer un lien continu mmh. avec des citoyens dans une forme de transparence et d'ouverture qui est importante aujourd'hui puisqu'on le retrouve dans la plupart de la sphère privée en fait. Du coup, je suis d'accord, je pense qu'on a eu de la chance, on n'en est vraiment qu'au début, mais il faut ouvrir les vannes et permettre à un grand nombre de collectivités et d'instances gouvernementales de suivre un petit peu cette logique-là mm-hmm. Et parfois de les pousser avec des cadres de loi, je pense, et des nouvelles initiatives. Gilles, Clément, on parlait tout à l'heure de ce timing aussi qui est très différent et qui, du coup, nous fait comprendre qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui en la démocratie de la part des citoyens. Le timing de l'élu n'est pas forcément celui, encore une fois, du citoyen lui-même, mais... Comment est-ce que justement on redonne ce lien de confiance? Il y a la notion d'impact, il y a la notion de faire sens aussi, de peser sur les décisions. Comment est-ce que justement aujourd'hui on appréhende toutes ces questions-là?
D'abord, le point de départ, ce que dit Julie, est très important, c'est sortir de l'idée que la démocratie, c'est seulement l'élection et que c'est la délégation pour une durée de 5 ans de tout pouvoir. Et donc, réimpliquer les citoyens beaucoup plus à chaque étape des décisions. Ça, c'est un changement culturel, un changement de mentalité, et c'est le point de départ de tout. Après, peut-être le deuxième élément, c'est de réfléchir au temps démocratique aussi. On prend aujourd'hui un temps très long dans l'élaboration de la loi au moment où elle va au Parlement, parfois incompréhensible pour les citoyens. Et en revanche, on prend trop peu de temps avant, dans la période d'élaboration de la loi. Or, c'est ce moment-là privilégié dans lequel on peut associer les citoyens. C'est ce qu'a fait Axel Lemaire. Et ça, je crois que ça doit être repensé, d'avoir plus de temps avant et peut-être un temps un peu plus rapide après. Clément, c'est vrai qu'on a coutume de dire dans l'économie numérique, et je pense que Axel ne me démentira pas, que le temps de la régulation et le temps de l'innovation ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que c'est finalement la même chose quand on parle d'élaboration de la loi ? Oui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a avant tout une aspiration en fait, à la confrontation des légitimités. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la légitimité de l'élu, hein, qui est encore tout à fait valide sur un certain nombre de sujets. Simplement, il y a une aspiration de la société à ce que l'élu se justifie pendant son mandat et tienne compte des échanges qu'il peut avoir avec la population. Donc, il y a une logique qui est beaucoup plus de démocratie en continu. Et ça, ça change nécessairement les temporalités où avant, l'élu avait finalement un peu de marge de manœuvre pour prévoir des projets, les développer, les porter et venir défendre ensuite son bilan. Maintenant, la temporalité de l'action publique évolue et on demande pendant la phase de construction et même en amont, comme vous signaliez, une capacité à discuter et à se justifier. Et en fait, c'est cette capacité à se justifier qui crée la légitimité de l'action. Cette démocratie 24-24, 7/7, si je vous entends bien, c'est un vrai problème, Axel Lemaire, quand on est élu, justement, parce qu'il y a cette envie de feedback de la part des citoyens qui vous ont à un moment donné porté au pouvoir, quel que soit le type de mandat et quel que soit l'échelon représentatif. Mais est-ce qu'on arrive toujours à le faire ? Alors, non, ce n'est pas un problème. Mais moi, je pense que ce sont des aspirations très légitimes et qu'on a la responsabilité d'entendre. Il y a le sujet de la redevabilité, les anglo-saxons disent accountability démocratique. Il y a le sujet de la volonté d'avoir un impact sur les décisions qui sont prises. Il y a aussi un enjeu pour les pouvoirs publics qui est dans une société plus informée, plus connectée, plus éduquée que jamais. Finalement, on recueille aujourd'hui le fruit d'investissements, notamment dans l'éducation pour tous, qui ont été faits depuis 50 ans, eh bien, on peut plus que jamais se reposer sur l'intelligence collective. Et les seuls experts agents publics en interne ne suffisent plus pour apporter des réponses à la complexité des problèmes du monde contemporain. Et moi, ce qui m'a frappée dans l'expérience de la loi pour une République numérique, c'est à quel point finalement on est entré en contact avec des gens qui avaient un véritable savoir et des points de vue très légitimes à défendre qui nous ont permis d'enrichir véritablement le texte. Gilles. Je crois que c'est un élément très important parce que l'association des citoyens, ce n'est pas simplement un objet de qualité de la démocratie, c'est aussi un objet pour la qualité des politiques publiques. L'idée que l'intervention des citoyens qui, sur un certain nombre de sujets, ont leur propre expertise, est un moyen de modifier et de rendre plus efficaces les politiques publiques elles-mêmes. Donc il y a ce double enjeu de démocratie, mais aussi de qualité des politiques. On va partir peut-être justement pour appuyer cette réflexion-là du côté de l'Islande. L'Islande qui est quand même un pays qui a fait foi en la matière. En 2009, le gouvernement socialiste islandais a proposé à une partie des citoyens élus, 5% là aussi si mes souvenirs sont bons, de co-construire, de co-rédiger une nouvelle constitution. Jusque-là, tout se passait bien. Ces 5% de citoyens ont proposé cette nouvelle constitution par référendum. Elle a été adoptée, mais patatras, une fois revenue dans le processus justement politique, traditionnel et législatif, eh bien, finalement, cette constitution n'a jamais vu le jour pour l'instant. Elle n'est pas appliquée puisqu'il y a un refus de la classe politique de la faire adopter par le Parlement islandais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, finalement ? Pour moi, c'est la démonstration de l'intérêt qu'il y a à intégrer ces processus dans le fonctionnement plus global des institutions. Parce que si c'est juste
expérimentation qui est menée sans promesse de suite. Mmh. Je crois que ça a plutôt l'effet inverse, qui est de décourager totalement les citoyens. Quelque chose qui est très important quand on met en œuvre ce genre d'expérimentation, ce sont les suites qu'on y donne. Dans la loi pour une République numérique, on a répondu à plus de 100 sujets qui avaient été les sujets les plus votés par les concitoyens. Donc il fallait expliquer, justifier les choix du gouvernement. Et moi, je suis persuadée, même si je n'ai pas d'objectivation scientifique pour le démontrer, que cette procédure qui a pris du temps a permis derrière d'avoir une procédure parlementaire plus courte et d'avoir un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'est le seul texte du quinquennat qui aura été adopté dans ces conditions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les médias, notamment autour du sujet du recours à l'article 49.3 de la Constitution, je pense qu'on pose mal la question à la lumière du potentiel du numérique. Ça ne devrait plus être pour l'avenir 49.3 ou pas, mais comment l'éviter? Comment éviter d'arriver à une situation politique tellement bloquée qu'on n'a pas d'autre choix que de recourir à cet outil? Concrètement, c'est viable, ce que tu es en train de décrire, Axel Le Maire? Moi, je suis assez d'accord sur le fond. Après, je mettrai quelques bémols sur le fait que ces expérimentations, si on veut qu'elles restent véritablement démocratiques, il faut qu'elles soient ouvertes à tous. Et c'est un petit peu ça qui aujourd'hui, je dis bien qu'on est au départ et qu'on est en voie de construction de ces nouveaux modes d'expression démocratique et de construction démocratique, mais il faut être assez vigilant sur le fait que tous les citoyens puissent embarquer, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, dans ces éléments-là. Parce que sinon, on va faire une démocratie à deux vitesses. Il y a ceux qui maîtriseront le débat numérique et qui seront embarqués, qui maîtriseront ces outils de dialogue, ces outils de co-construction, et puis ceux qui resteront à côté, en dehors. Et donc, si l'objectif, c'est de rendre une démocratie beaucoup plus participative, il faut qu'elle soit inclusive. Et qui donc, on a un vrai, vrai effort, me semble-t-il, encore à faire. Hein. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine-là. Parce que si je regarde autour de moi, même dans ma famille, tous ces débats-là, ils leur sont passés complètement à côté. Et donc, ce n'est pas les moins éduqués, loin s'en faut. Et donc, on voit bien qu'il y a un travail d'acculturation, de formation. Et moi, j'ai coutume de dire, être citoyen, c'est un métier. Et il y a des compétences, et il faut les renforcer, et il faut qu'on réfléchisse en termes de politique publique, comment on fait pour ne pas laisser trop de citoyens dans ce moment de numérisation. Il y a une fracture numérique qui existe toujours dans les usages. Il faut être très attentif à ça pour que la démocratie ne soit pas le fait d'une nouvelle classe politique, une élite numérique. Geekisée. Voilà, geekisée. Et ça, je pense qu'on est au tout début, on est en phase de construction. Il faut être très attentif à mes yeux à cette problématique-là parce que sinon, on va refaire des choses à deux vitesses et ça, ce n'est pas souhaitable du tout. Hein. Me répond qui veut justement, il y a cette question de professionnalisation du politique, mais aussi de professionnalisation du citoyen. La société civile, quoi. Et de véritable pédagogie à faire, justement, pour pouvoir, encore une fois, s'approprier tous ces outils, ces nouveaux outils démocratiques. Comment on fait, Gilles? On a créé un groupe de travail avec Renaissance Numérique, Fondation Jean Jaurès, Renaissance Numérique, sur la citoyenneté numérique, qui va, dans quelques semaines, faire des propositions autour de cette idée de connecter davantage la démocratie participative et la démocratie représentative. Et je crois qu'il y a peut-être deux idées très simples. Je prolonge ce que vient de dire Henri, qui est de démocratiser le numérique, c'est-à-dire de veiller notamment à l'égalité. Il y a une question de fracture générationnelle, une question de fracture territoriale, d'appropriation des usages, d'identité, de sûreté du débat sur le numérique. Et dans l'autre sens, il faut numériser la démocratie. Numériser la démocratie, il y a des dimensions très institutionnelles. Il faut que nos institutions s'approprient réellement le numérique. Axel Le Maire connaît ça mieux que moi, mais on va faire un certain nombre de propositions. Il y a besoin à la fois de moyens, de formation des agents, peut-être de structures qui vont repérer ce qui innove sur les territoires en matière de pratiques démocratiques. Vous allez être aussi un curateur de ces initiatives. Oui, absolument. En matière de civique, et puis il y a la dimension citoyenne, c'est comment on fait à chaque étape de la loi. On a parlé avant l'élaboration de la loi, c'est la co-construction. Pendant le vote de la loi, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour que les citoyens puissent participer par voie d'amendement avec les parlementaires. Et puis, après le vote de la loi, le travail d'évaluation est quelque chose d'extrêmement important. Et pour que je comprenne bien, qu'on comprenne tous bien, ces propositions-là, elles seront soumises aux candidats
de 2017. Elles seront soumises au débat public dans le début de l'année qui vient. Donc on pourra aussi les co-construire, nous, ou pas du tout? On l'a déjà fait parce que Clément a travaillé sur un rapport qu'on a produit avec d'autres think tanks. Et on a déjà fait des ateliers citoyens où on a pas mal débattu avec des citoyens sur des propositions qui sont dans le rapport que Clément a produit pour Renaissance Numérique. Axel Lemaire vous répond tout de suite. Deux remarques en lien avec ce que Gilles Finkelstein vient de dire. Cette semaine a été lancé un incubateur d'innovation démocratique. C'est le premier en France et la France était une des dernières grandes démocraties du monde à ne pas avoir une organisation, un collectif réunissant des projets qui expérimentent par des outils sur ce sujet de renouvellement démocratique. Et donc, et c'est un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, qui fédère les startups, la civic tech, les chercheurs, les think tanks et toutes celles et ceux qui veulent réfléchir et agir sur ces questions et qui permettra de financer des projets en lien avec le sujet. Puis la deuxième remarque, c'est il ne faut pas uniquement se focaliser sur la construction de la loi, parce que les politiques publiques, elles se font aussi beaucoup au niveau local, et j'y crois énormément, et elles se font aussi dans toute forme de construction. J'ai aussi mis en consultation publique, par exemple, l'écriture d'un décret d'application de ma loi. Ça devient très technique. C'était pour définir ce qu'est la mission de service public de la donnée. Mais encore une fois, ça a été très enrichi par les internautes. J'ai ouvert à la co-construction l'écriture d'une NAF. Est-ce que vous savez ce qu'est une NAF ? Petit point de définition, une NAF. Je ne le savais pas non plus. C'est une note des autorités françaises qui est un document extraordinairement important parce que ça définit la position officielle du gouvernement français dans les négociations qui se tiennent à Bruxelles auprès de la Commission européenne et avec tous les autres États membres. Eh bien, c'était une NAF sur quels sont les besoins des startups en Europe. On a ouvert la rédaction de ce texte à l'écosystème des innovateurs en France. Il y a eu 4 fois plus de propositions à la fin que ce qu'on avait initialement envisagé. Donc voilà, cette insertion de l'innovation démocratique, il faut la faire dans toutes les manières de définir les politiques publiques. Clément, Julie, ensuite on se posera une question. Est-ce que finalement on n'est pas en train d'être à l'orée d'une bulle des civic tech? Mais d'abord une réaction avec Clément. Mais moi je voulais revenir sur cette question de l'inclusion. Parce que c'est une question qui est quand même au cœur déjà de l'idéal démocratique. C'est-à-dire favoriser l'expression d'un maximum de personnes pour s'assurer qu'ils confèrent leur légitimité à la décision qui est prise. Et en fait, je pense que déjà, il faut bien pas oublier qu'il y a 2 aspects à cette légitimité. Il y a d'abord la légitimité parce qu'on inclut des gens directement, on leur permet de s'exprimer, et il y a aussi une légitimité par l'argument. C'est-à-dire que si on s'assure que l'ensemble des arguments sont représentés et dans la discussion, la légitimité peut être là. Donc on voit bien qu'en fait, on a des débats assez techniques qu'on va pouvoir équiper, où l'objectif va peut-être être moins d'avoir un grand public qu'un ensemble de communautés représentant la diversité des arguments. Et là-dessus, le numérique épouse finalement cette forme politique de fonctionnement par communauté, favorise l'implication et la mobilisation de communautés qui, en dehors de la consultation officielle, échangent, confrontent leurs arguments et viennent produire des points de vue qui versent au débat public. Donc finalement, c'est pour ça aussi que ces projets de loi rencontrent un certain succès sur la toile. C'est aussi lié au fait que finalement ça épouse leur mode de production d'intelligence collective. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'épuise pas les potentialités d'action du numérique. Donc, à d'autres échelles, sous d'autres formes, on peut encore inventer d'autres types d'implications